première des choses, je ne vois absolument pas la raison pour laquelle on veut nous enlever une classe et nous l'imposer. C'est ce que je disais tout à l'heure en amont, nous sommes une grosse commune, il faut que nous soyons respectés. Et à ce titre, on va donc le dire fortement, s'ils ne l'entendent pas, si on parle normalement, on va le dire fortement auprès de l'Académie. Ça n'est pas acceptable qu'on nous diminue pour des conditions dont on vient d'évoquer, puisque ça va totalement déstabiliser l'environnement. Mais puis c'est une question de principe. Moi, je ne veux pas qu'on en soit... Je veux que la commune l'atteste. On ne veut pas être les maltraités de l'Académie, on ne veut pas être les délaissés de l'Académie. Donc, on va leur expliquer aussi qui nous sommes. Ça, c'est le premier élément. Et c'est le court terme. Sur le court terme, il faut qu'ils remettent cette classe. On fait des efforts, nous, puisque nous avons des classes avec les Singapouriens. C'est un plaisir de les recevoir, mais c'est quand même pas un travail mince. S'ils arrivent, ils ne parlent pas un mot de français, ces gens-là. Donc il y a quand même un travail à faire. Nous avons des classes Ulysse avec des gens handicapés. Je viens d'en visiter une là à l'instant. Donc il faut tenir compte de tout cela. Ça, c'est le premier point, c'est le point sur le court terme. Sur le long terme, si on raisonne sur le long terme, parce que l'Académie, je veux dire, on sent bien qu'ils tentent aujourd'hui sur cette commune de retirer des écoles. Pourquoi ils veulent retirer des écoles? Parce qu'ils s'aperçoivent que nous avons une population qui malheureusement est vieillissante et on a moins de jeunes. Et c'est là, pendant la campagne, je l'ai évoqué, moi je veux lutter là-dessus, je veux que nous gardions nos jeunes ici. Donc on a un travail de fond à faire sur du long terme, que ce soit en matière de logement, en matière d'emploi. Si on veut garder nos familles, il faut travailler là-dessus. Si on garde nos familles, on va garder nos enfants. Et ça nous permettra aujourd'hui de pouvoir non seulement consolider nos classes, mais en plus peut-être d'en développer. Mais ça, c'est du long terme, mais il faut le travailler maintenant, le long terme. Donc dans un premier temps, court terme, on se bat auprès de l'Académie pour conserver cette école. Et dans un deuxième temps, on enclenche le fait que notre population, qui aujourd'hui, on le voit bien, est vieillissante, parce que les chiffres diminuent, l'Académie les voit, les chiffres, elle les entend, elle les lit. Donc on va leur expliquer aussi qu'on est en train d'enclencher un processus pour que notre population, que nous gardions nos actifs, qui malheureusement aujourd'hui, on le voit bien, partent se loger à 30-40 km d'ici. Donc on perd évidemment nos enfants. Donc là, l'éducation, les écoles, que ce soit la maternelle et que ce soit l'école primaire, va pouvoir compter sur notre soutien, mais un vrai soutien, pas un soutien en demi-teinte, un vrai soutien.